Donc, ah, mais attends, je peux faire ça. Tu peux faire un hélicoloïde, j'ai pas assez de. Non, non, attends. Un arc à saut, tu vas faire quoi? Ah! Comment ça marche le truc? Ah! Y'a rien à faire. D'accord. Comme ça. Trop stylé. Et donc, Zirtok, ouais, hésite pas à lire mon titre de stream. Ne prenez pas le jeu sur Steam. Y a eu des pétillants des patchs pour améliorer la qualité du jeu. C'est pas encore parfaitement fluide, mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup mieux globalement. T'as 4 étoiles quand même. Hein. J'ai toujours pas le marteau Karakuri. Ça rend dingo. 4 étoiles, j'ai pas vu. Le marteau, mais c'est un vieux. Le marteau, c'est sur qui déjà? C'était sur le Seth Perfit, je crois, tu le vois, non? En fait, faut que tu fasses le mob. Le mob adapté hein, pour ça. Ah, le marteau, ouais. Comme je disais, Craze, pour la 14 milliardième fois, après, toi, t'es nouveau, donc pas de soucis. Ça n'a pas rien à voir avec votre config. En gros, du moment que vous avez la config recommandée, vous ferez tourner le jeu comme vous pouvez le faire tourner, comme moi. Voilà. Vous avez la config recommandée pour le coup sur Steam. Enfin, je suis sur Steam, vous savez, vous avez la config, quoi. C'est l'écureuil aquatique. Ah oui, c'est vrai. C'est l'écureuil aquatique pour le faire tomber du pylône, du coup, le marteau. Hein. Bien vu, j'avais là. Enfin, grâce au champ pylône, connard d'écureuil. Ah, mais t'as fait une. Tu veux pas, là, t'es en rouge, enfin, t'es en orange. C'est bien, c'est bon, ça. Il faut que tu le jinxes, quoi. Ah, bah, évidemment. C'est pour le faire. Que pour le faire chier, bien sûr. Petit marteau. Oh, le bâtard. Je sais jamais s'ils font ça exprès ou si c'est juste un mauvais timing, mais s'ils le font exprès, c'est vraiment ça. Allez, ça y est, go, c'est parti, les gars. C'est vrai qu'avec ma nouvelle arme, je peux crit. Ah non, c'est la prochaine qui crit, justement. Wouh! Allez! Bim! 425. Pas mal. Pas mal du tout. Ça y est, go! Et donc, en gros, le docteur, si t'es toujours là. Une fois que t'es dans les airs, tu dois enchaîner les combos jusqu'à sortir la croix finale. C'est en mode Dark Sasuke 3000. Hein. Mais c'est très stylé. Hein. Donc en gros, le but du gameplay, c'est que tu montes la barre bleue en bas à gauche. Cette barre bleue, elle détermine... Alors, pas exactement. En gros, la barre bleue détermine la longévité du grappin. Ok. Là, plus je tape, plus j'ai une aura rouge. À la fin de l'aura rouge, quand je suis au max de l'aura rouge, ça lance en fait avec croix, ça lance automatiquement la super attaque. Ah putain, non! Salopard. Donc l'idée en gros c'est de réussir à rester suffisamment longtemps dans les airs pour taper, faire monter ton aura, et une fois que ton aura est au max, tu fais triangle et ça balance une grosse croix en fait, mais genre vraiment immense, et donc qui fait entre 400 et 600 dégâts. Ouais, le rat de flotte, Tuco. L'émeraude des cimes, c'est son nom. Le premier hop que t'affrontes quand t'es sur l'île. C'est ça. Quand t'arrives sur la partie flotte, quoi. Après le cochon, c'est le premier hop après le cochon. Il faut que tu le fasses, en fait. Tu enchaînes le et t'auras le marteau avant toi. Pas de soucis. Alors, le marteau Karakuri, pour moi, c'est tellement fun à utiliser. Mais tu vas rester là, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on pense à... Attends, c'est carré, rond, carré, je crois, c'est ça. Oh oui! Oh ça! Putain, je l'ai fait tellement au bon moment. Donc toi, là, j'ai rempli... Alors, la barre est pas remplie, là, pas encore. Voilà, la barre est remplie, je grappine. Ensuite, donc, tu fais des R2 et des combos. Plus je tape, plus ça va remplir. Merde, mauvaise touche. Faut que je le tape au max. Tu vois, j'ai une aura orange qui commence à m'entourer. Et là, tac. Ça, je sais pas si elle est passée. J'ai un doute que ça soit passé là. J'ai pas vu la croix. Tu l'as vu maintenant ou pas? Je sais pas si tu la vois. Ce côté. Non, j'ai pas vu. Et tu la vois d'habitude ou pas? Je vois pas le. Je vois l'animation mais sans les effets. D'accord, ok. Pas trop mal, c'est fini.
voulais faire. Ah, le salaud. Reste là. Si ça touche, ça touche. Oh. Mais donc ouais, c'est un gameplay extrêmement aérien, la dague. C'est l'attaque des titans. Enfin, ils s'en sont clairement inspirés, en bien. C'est génial. Oh. Il est tombé. C'est toi, ça. Ouais. Ah, il gueule. Ah non. Saloperie. Reviens là, sale bête. Ah, quel plaisir ce jeu. Allez, poursuite de l'ennemi. Après ce mob là, je vais me commander mon subway. Genre on aura le temps d'en faire une chasse globalement. Je vais le gober hein, le subway après une fois qu'il sera là, mais ça met quoi, 15 minutes après. Moi après je vais m'arrêter à 14h à peu près. Ah bah il est 14h. Bon, 14h30 alors. T'as un peu de boulot là. Ouais. Ah là là, dur hein. La figuration c'est compliqué. Genre des réunions et tu vas faire oui oui c'est ça. Bah, c'est on respecte pas les règles, ouais. Tu veux que je fasse quoi? Terrible. Ah bah je vais aller farmer alors moi. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire sur les joueurs de New World quand est-ce qu'il y aura la mise à jour à l'étage de Crassus. Je suis vraiment curieux de la faire. Vraiment curieux de la faire. Et merci pour le follow à Kazard. Quasard ou Kazard? On va qu'on dise comment. Et à bientôt en tout cas. Merci beaucoup pour le follow. Welcome. Ok, il est là. Salut Kazard. Yes, yes. Ah bah oui, le jeu est génial. Ça, je pense que toute personne qui a joué au jeu et qui aime les Monster Hunter, à part les connards de Curie, globalement, votre jeu est excellent. Le gameplay est absolument fabuleux. On réussit vraiment quelque chose de très fort. Merde. Mon mur, dommage. T'as déjà fini le jeu? Ah ouais! T'as mis combien d'heures? Je suis que sur Naël. Vache. Merde! Oh nice! Ah, ça marche avec. 50 heures, pas mal! Ah oui! Mais tu l'as séché là le jeu! Sorti à genre une semaine le jeu. Si, je suis mort comme un connard. Câble contre un mur, j'ai fait nawak. Bah, il se barre. Il t'a laissé. Sérieusement? Oh putain. Tu viens pas juste d'arriver toi? Si. Ah mon pauvre. Là, je te laisse 30 secondes tout seul et rien ne va plus quoi. C'est... Ouais, mais je lui ai fait tellement mal qu'il se barre déjà, donc bon, faut pas tout faire. Ah hein. Non, c'est bon, il s'est juste décalé. Ah. Salut Kazar, ouais, le jeu est très très bon. Hâte de ouf, surtout qu'en plus ils ont déjà dit qu'il y aurait des DLC gratuits, il n'y a pas de microtransactions, 100% gratos. Il y a des nouveaux mobs et tout, hâte de voir ça. Voilà Monster Hunter, hein. Très très bien. Voilà, bouge-toi les marteaux. Ah, qui a lâché là. Ouais. Allez, ça y est, go. Ah, si j'aimerais bien l'achever sur un Sasaego, c'est tellement stylé. Allez. Ah ouais, là t'es en train d'enchaîner les marteaux là toi. Ah ouais. T'inquiète. Allez, bim. Ah, putain, ça l'a pas achevé. Sasaego, mais je l'ai pas achevé. Et merci pour le follow, Alpha Goliath. Bienvenue. Oh. Ah putain, il est détruit en secret. Ça sent l'orage de fin avec deux points de vie, ça. Ça sent de ouf, c'est l'orage de fin en mode je fais un dernier sursaut, mais j'ai plus de vie, quoi. Bah, il est en.
tête de mort. Ah, c'est la charge là, j'ai pas ce qu'il faut. C'est carré rond carré. Dommage. Ah, carré rond carré. Tu l'as pas encore toi? Non. La... Je l'ai eu tout à l'heure moi sur le. Bah, sur lui d'ailleurs. C'est la muraille. Mais la muraille, pas le mur, c'est le. La muraille en hauteur. C'est un mur mais en hauteur. Ça bloque les charges. C'est la ville rond jaune. Non, il n'y a pas de vie, on voit pas la vie des mobs du robot dans les monstres à faire. Jamais. Le rond jaune, c'est la durée de vie de mon grappin. Allez. On part pour un. Là, je suis en mode Sasaigo. C'est parti. C'est tout le principe justement de ces jeux, c'est que tu connais pas la barre de vie des mobs. Il peut être aussi bien à 2 HP que 1000 life. Bon là on sait qu'il est pas 1000 life, c'est une tête de mort, donc on sait qu'il a moins de temps pour vivre. Oh ah, putain, ça l'a pas achevé. Vache. J'ai encore mis mon truc. Ouais. Il est il y a plein de trucs à looter. C'est juste des petits. Il est costaud, hein. Il est costaud. Ah, griffe de pointe d'or. Si, il y avait des vrais loot, hein. Je crois que t'es bien tout pris. Il y a un griffe de pointe d'or. Ça vaut le coup quand même. Donc là, c'est un mob quand même assez haut niveau, donc bon. Le stuff. Ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais, hein, on est là pour ça. Hein. Attends, je peux le. On va voir si je peux le harponner. Voilà. Mais. Et... Ah, y'a que toi qui peux changer l'harpon. Oh là. Oh là là. Je sais pas, y'a des trucs, tiens. Non. Alors attends, c'est carré, rond, carré, c'est ça. Je vais en faire un. Carré, rond, carré. Mais il est détruit direct. Ah, c'est sa zone de fou là. Carré, carré. Ah non, c'est temporaire. D'accord, voilà, là tu carré rond carré. Nice. D'accord, c'est un gros pylône quoi. C'est ça. Par contre, il est genre ultra résistant qui bloquera la charge quoi qu'il arrive. Mais qui est éphémère. Ok. C'est stylé là. Il a bien volé l'écureuil là. Enfin, c'est pas du tout un écureuil le porc épique. Mais c'est pas grave. Allez! Je continue dans les airs, moi. Je continue mon petit truc hein, dans les airs. Faut pas faire attention. Hein, je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Oh, le plaisir. Le plaisir. Payissement alors, d'attaque. Griffe, bien, ça. Pardon? Payissement d'attaque. Bien. Ah. Une shit caractère utilisée là. Bah GG. Bah GG. Je te revois quand alors sur Weddar, ça va peut-être ce soir. Je verrai, mais non, ouais, à partir de. Pas 17-18, on peut rejouer. 18, peut-être le soir après. Ah, je serai peut-être sur Atomic Card. J'ai quand même envie de le tester, je vais le mettre en VO, je pense. Oui. Parce que j'ai quand même. Il y a quand même des trucs qui ont l'air cool dans le jeu. J'ai dit que je le testais aux gens, donc on va quand même te dire. D'ailleurs, c'est engagement, ça, tout ça. Ce sera vraiment qu'un test. Je jetterai un œil au stream, on verra. Ça. Par contre, ouais, le mec a dit de la merde hein, sur Steam, il tourne impeccablement en ultra wide. Hein. Ouais, après, tu sais, c'était peut-être au début, je sais pas. Bon, bah, je l'ai lancé cette nuit. Peut-être un patch day one. Je l'ai lancé cette nuit. Ouais, mais je sais pas. Tac. La VF est vraiment bien. Alors Corben, en fait, le prend pas mal, hein, mais... Attends. Prend pas mal Corben. Mais moi, la VF, quand elle me fait entendre, je précise, hein, c'est Atomic Heart, le chat, je quitte Discord. Ouais, la performance de l'actrice, impeccable, oui. Rien à redire. Oui, mais, oui. Oh, voilà. C'est... Ça, parce que ça n'a rien à voir avec le jeu Kazard. La qualité de la VO, mais en doute la qualité d'écriture. C'est ça, là, c'est l'écriture. C'est pas le doublage en soi, c'est l'écriture qui pose problème. Je ferai tout ce que tu veux. Tu as une grosse épée.
Alors mets-la-moi bien dans la fente, que je la rende plus dure et plus affûtée. La borne Nora permet de fabriquer... Voilà. Je sais pas, c'est Atomic Heart dont on parle, Kazar. Je pense que tu es sur le truc. Voilà. C'était, je fais exprès de ne pas vous montrer. Hein, c'est, on voit rien, pour le coup, il y en a spécial. Mais ça vient de Atomic Heart. Donc, ce n'est pas une question que la VF soit bien ou pas bien. C'est que l'écriture du jeu, elle est dégueulasse. Oui, bon, Nora, elle est bizarre. C'est cringe. Pas bizarre. Il y a un mot pour ça. Hein, c'est cringe. Très cringe. Et donc, oui, point, français, si vous voulez. Point exclamation optique, Kazar, je pense que tu confondais de jeu. Ça n'a rien à voir. Le wide art, effectivement, tourne mal, mais c'est pas une question de matos. Ça, je pense qu'il faut que je renonce à ce combat. Allez, à toute pierre. Bon courage pour le taf. Ça marche, toute. Le jeu est écrit avec le cul. Hein. Littéralement, d'ailleurs. Même pas du bon cul. Mais c'est pas être choqué, Corben. Putain, j'en peux plus. C'est pas être choqué. Vous confondez le fait de. Je dénonce juste que c'est nul. Enfin, c'est beauf. C'est pas intéressant. Je suis pas choqué. Je suis pas en mode de, comme ces comptes Twitter en révolte. J'en ai rien à foutre. Je te dis juste que je trouve ça beauf et que l'humour beauf, effectivement. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît, je sais qu'il y a des streamers à qui ça plaît, c'est pas mon délire, du tout. Je fais parfois 2-3 blagues beaufs en mode that's what she said, quoi que ce soit, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. J'en fais pas un jeu, on fait pas un jeu autour d'une blague beauf, quoi. Non. Salut Pépé. Alors. Donc, c'est ça, je voulais retourner voir Natsume pour voir si je peux améliorer mon arme. Et on va peut-être pouvoir farmer d'ailleurs avec le chat, résultat. Avec le chat. J'ai une arme. Il me faut... Ah, il me manque une queue de pointe d'or. Il me faut une queue. Coup de blague à faire là-dessus, hein, évidemment. Une petite queue de pointe d'or. Ou alors je fais l'arme poison, je gagne du crit, mais je perds en dégâts. Par contre, je gagne effectivement le poison. Après, 5%, c'est... non, c'est là. Ouais, si 5%, c'est quand même pas ouf. Bon, après, j'étais tellement vite que bon. Non, je pense qu'elle est pas mal quand même. Pas plus de dégâts en plus, mais je gagne 10% de crit et je gagne surtout ça. Je fais plus de crit à pouvoir faire un crit. Et après avoir détruit une partie, je gagne des dégâts. C'est ça, c'est quand même stylé ça. Ton avis, quel VF est mieux, c'est le MH World ou Wild Heart? C'est dégueulasse dans les deux cas, Alpha Goliath. Enfin, je vous le dis clairement, hein, et je sais pas ce que vous en pensez, Alpha Goliath, mais si vous jouez à Wild Heart ou à Monster Hunter pour l'histoire, les gars, allez lire un livre. Mais vite, hein. C'est urgent, allez vite lire un bouquin, parce que ben, c'est pas ça une histoire, il hein. Y a pas d'histoire dans ces jeux. C'est très très mauvais. Alors Atomic Heart, c'est écrit avec la bite, là c'est encore autre chose, mais là il y a juste, enfin, dans Wild Heart ou Monster Hunter, l'histoire c'est juste un prétexte pour taper des mobs. On est là pour taper des mobs. Hein. Bon, qu'il y a un petit peu de lore et tout sur les grosses bébêtes, pourquoi pas, mais il n'y a pas d'histoire. Enfin, on massacre les mobs au nom de l'écologie, au secours quoi. Bon, voilà. C'est voilà, c'est pas une question. Il y a pas quel VF est mieux, on s'en fout, elle pue la merde dans les deux cas. Mais on s'en fout du doublage, quoi. Ça pourrait ne pas être doublé, honnêtement, j'en battrais les couilles. Pourtant, j'aime bien les jeux à histoire, j'en fais énormément. Mais là, non. Par exemple, Gwarz, pour le coup, est une masterclass à la fois de story et surtout de narration. Et de doublage, pour le coup. Là, c'est juste cringe. Que de pointe d'or. Oui, donc ok. Donc s'il y a des gens qui veulent faire un pointe d'or, bah écoutez, je crée une session. Je sais pas où est le feu de camp d'ailleurs, parce que Pierre m'a dit qu'il y avait un feu de camp, mais je sais pas du tout où c'est. Pas grave, on va d'abord aller là-bas. Chasse libre, kimono présent, ouais, let's go. Skip le gars qui fait le lore, c'est aussi le gars qui fait le café, nettoyer une close you, ça, c'est ça, enfin. Voilà, le lore, c'est qu'un Jean-Jacques est plus fort que le précédent, bon. Enfin, si aujourd'hui vous jouez à des Monster Hunter pour de l'histoire, je trouve ça un peu triste, effectivement, parce qu'il y a des vrais bons jeux narratifs, ça existe. Monster Hunter ou Wild Heart n'en font pas partie, hein, clairement. Alors, je fais une petite session. Ah, attendez, j'améliore mes Tsukumo d'abord, vite fait. Ah, c'est ça que j'avais dit, il fallait que je commande à bouffer aussi. J'ai la dalle. Forme d'attaque. Recharge de fil, en vrai, ce serait stylé. Forcément de soins. On va améliorer un peu l'attaque. Je sais pas s'il fait vraiment des gros dégâts, mais bon. Attends, on voit.
niveau 5. Hop. Ah, il devient badass, bon, là, mon petit Tsukumo. Un jour, le partenaire de la Subway, hein, j'en rêve. Ouais, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas amélioré les trucs. Ok, ajoute-moi un ami sur Steam, Tsuko, si tu veux venir. Et on va donc aller chasser du pointe d'or. Je vais commander moi en même temps ma bouffe. Est-ce qu'il y a autre chose d'ailleurs que ça boit ? Attends, je le check un peu. Et donc ouais, on va pouvoir avoir, je vais pouvoir avoir l'accès à la bêta Diablo 4 grâce, comme vous, hein, grâce à KFC. Hein, donc je compte bien en profiter pour le coup. Ne pas filer le fric à Blizzard et juste me commander un bon KFC et avoir l'accès à Diablo 4, je trouve ça génial comme principe. Alors, est-ce qu'il y a sinon Gris Gourmet qui est ouvert ? Ah non, il est 14h20, il n'y a que Subway. Fuck, bon, on va se prendre un petit Subway. Ah, c'est pas une blague, en commandant un double dawn à partir du 3 mars, tu auras un code Diablo 4 pour la bêta qui est censée pour les précommandes. C'est pas une blague du tout. Hein, c'est... Tapez double dawn et Diablo 4 sur Google et vous aurez les articles. Il n'y a pas beaucoup d'articles en français, je suis pas sûr. C'était pas un fake, non. Je suis pas sûr à 100% que ce soit encore disponible en France. Ça sera ça disponible, ça c'est vraiment, c'est sûr. Merde, pourquoi je suis allé sur McDo ? Je vais pas aller sur McDo, quel enfer. Ça n'était effectivement pas un fake. T'es sur PS5. Ah ! Dans ce cas-là, il faut que je fasse une vraie session. Alors attends, bah tu l'as pas en trouvé avec la session ? Attends. Je vais en ligne. 2 secondes dans ce cas-là. Merde. Ah putain. Faut que je mette un nom à la session dans ce cas-là. Je suis en ligne, désolé, je la refais, tag de groupe. Je vais mettre Ice Care en tag, partie libre, tac. Tu me trouveras comme ça. Voilà. Alors. Donc, j'en peux plus de McDo, je veux Subway, voilà.